Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pédale d'effet peu commune, la Karl Martin Greg House Lixbox Signature. Il s'agit quand même d'une pédale assez étonnante, pas vraiment courante sur le marché de l'occasion, à tendance plutôt moderne, on va faire le tour ensemble tout de suite. Mais avant de commencer, j'aurais aimé vous parler vite fait du guitariste signature qui est à l'origine de cette création, donc Greg House, que je ne connaissais pas du tout avant de faire les recherches justement pour cette vidéo. Donc il s'agit d'un guitariste virtuose sorti à l'époque des Shredder dans les années 80, style Richie Kotzen ou encore Yngwie Malmsteen, qui a changé radicalement de registre musical en s'orientant plutôt dans le jazz fusion. Donc même si vous connaissez pas le travail du bonhomme, que je vous invite vraiment à regarder parce que c'est vraiment pas mal, il a été à l'origine de nombreuses collaborations, donc avec Michael Jackson par exemple, Justin Timberlake ou encore Enrique Iglesias. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même des grosses pointures de l'industrie de la musique. Il s'agit d'une pédale assez complète, donc il possède trois canaux, donc nous en reviendrons ensemble après, mais un boost, un canal crunch et un canal high gain. Bien évidemment, les trois canaux sont totalement indépendants, ce qui apporte vraiment une grosse polyvalence à la pédale. Le canal crunch justifie déjà rien qu'à lui l'achat de la pédale, vous allez voir, il va du clean boost à une overdrive quand même assez violente, mais vachement définie. Et ensuite, le canal high gain qui lui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc on va pouvoir commencer dans le domaine du punk, on va pouvoir arriver dans le hard rock, voire le métal. Mais la grande force de cette pédale, et nous y reviendrons plus tard, c'est la possibilité de coupler les deux canaux, à savoir le canal crunch et le canal high gain. On commence tout de suite avec une démo du canal crunch, et pour ça je vais prendre ma fidèle guitare. Voilà, donc il s'agit d'une Stratocaster un petit peu particulière, donc basée sur le modèle de Prince avec deux EMG. Alors je sais que beaucoup de gens ont tendance à dire que les micros EMG sonnent froid, mais je suis plutôt surpris quand même du couple sur cette guitare. Donc je pense que ça vient aussi de la lutherie. Donc on a un EMG 80 en bridge et un SA simple en manche. Concernant la partie amplification, je vais utiliser mon fidèle Lanier LT5 qui est vraiment une superbe plateforme clean pour les pédales, il n'y a pas mieux. Le signal sera ensuite capté par deux micros, un SM57 et un ruban AEA qui seront dans un ISOCAP de la marque Grossman. Allez, on commence tout de suite avec le test du canal crunch, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, le canal crunch est déjà super intéressant. On commence quand même sur un crunch plutôt gentil, mais au final on est monté assez haut, donc on est vraiment dans le registre de la saturation, mais on garde vraiment une définition qui est propre au crunch. Donc je pense à tous les gens qui aiment les rythmes saccadés, un petit peu modernes, c'est parfait pour vous. Mais maintenant on va parler du canal high gain. Pour faire simple, ce canal commence là où l'autre finit, donc vous allez voir, on va monter relativement haut en gain, mais toujours avec une bonne définition. C'est parti. We'll be right back.
Et comme je vous avais dit tout à l'heure, le gros point fort de cette pédale est de pouvoir coupler les deux canaux. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt? En gros, vous allez avoir le signal crunch d'un côté et le signal high gain de l'autre. L'idée est vraiment d'avoir un signal qui va être vraiment orienté dynamique, donc le crunch, et de l'autre côté saturation, qui justement va vous permettre de monter très haut en niveau de gain tout en gardant une bonne réserve de dynamique, ce qui est super important. Donc on sait souvent que quand on joue en high gain, le plus dur c'est de conserver cette saturation, mais surtout cette dynamique. Donc grâce à cette feature, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre le gain quasiment au maximum, et de l'autre côté mettre le canal crunch au minimum, et justement garder le meilleur des deux mondes pour des styles qui demandent une grosse dynamique mais à la fois du gain, comme par exemple le stoner. Mais ça va surtout vous permettre de gagner en clarté sur les refrains. Vous allez voir, sur le deuxième passage je vais un petit peu jongler avec les deux canaux. Donc sur la première phrase je vais garder uniquement le côté high gain, puis pour le refrain je vais enclencher les deux, et vous allez voir justement la différence de dynamique. Comme vous avez pu le voir, le résultat est quand même super intéressant. Je termine vite fait sur une feature qu'on n'a pas spécialement abordée, donc il s'agit du boost, donc c'est le troisième canal de la pédale. Rien de spécial à dire, mais il a été placé intelligemment après les sections de préamplification, ce qui vous permet d'augmenter uniquement le volume. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était le test de la Karl Martin Lixbox Signature, une pédale un petit peu atypique qui va vous permettre justement d'aborder de nombreux styles. Et dans le contexte d'un mix chargé, je pense que c'est vraiment le genre de pédale qui peut tirer son épingle du jeu. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans la section commentaires. Vous pouvez également vous abonner ou nous suivre sur Instagram sur notre page Effectaria. Et j'en profite pour vous dire qu'on va continuer cette dynamique de vidéo. Donc d'un côté je vais augmenter les tests de pédales d'effet comme j'ai fait aujourd'hui, mais de l'autre je vais vous présenter des thématiques un petit peu plus légères justement pour varier les plaisirs. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.